Ok, je dis en visu. Alpha en visu. Quand je vois le décor, des fois, je me dis que t'as de superbes positions pour faire de l'embuscade. Hein. Ah ouais. Enfin, tu mets un tireur ici, là, les véhicules qui descendent de la colline, ils sont tous morts. Hein. Alpha en visu, hein. Droite. Azimut 120 là. Ouais, je viens d'en voir un passer, ouais. Alpha, donc on est rentré dans la première maison. À l'extérieur de la maison, deux personnels en treillis, mais non armés. Ils devraient en avoir trois normalement. Tu devrais Devrait en en avoir avoir un un troisième, troisième Alpha au niveau du véhicule. Ouais, il y en a un troisième, ouais. J'ai vu qu'il y en a un troisième. Ouais, il y en a un troisième, il est parti en courant. Ok, je continue ma progression en direction de l'objectif. Dézoomer en permanence, hein, histoire d'avoir du visu. Mmh. Tu dézoomes à fond, tu jettes un coup d'œil, dès qu'il y a un truc qui t'intéresse, tu zoomes vite fait, tu redézoomes. Je me décale un peu devant, Wolf, pour avoir un visu sur la forêt au niveau de l'objectif. Il progresse au niveau de la route ou... Ouais, je pense qu'on va les suivre à distance. Parce que là, on n'a pas... Ouais, Alpha, 200 mètres de l'objectif Ok, visuel sur l'antenne. je les ai en visu là. Cap 160, ils sont Ouais, à... ils ont continué d'avancer, ouais. Ils sont à 300 mètres là. Est-ce que Bravo pour nous envoyer un mec avec des charges? Ouais, je sais Ouais, pas s'il va Alpha, au niveau de devancer. l'objectif, deux personnels en posté armés au pied de la tour et une patrouille de trois personnels qui tournent autour de la tour. Rocco, est-ce que t'as visuel sur les mecs qui patrouillent? Ah, Négatif, négatif, aucun aucun visuel visuel là-dedans. là-dedans. Il y a des arbres juste devant nous, quoi. Entre la tour et nous. Ah, j'avancerai bien dans les. Est-ce que Bravo peut nous filer un mec avec avec les explos On peut peut-être aller et jusqu'au premier éventuellement aller traiter rester bien les mecs sur les qui sont en serpents, patrouille mais là. j'ai peur qu'il y ait une patrouille qui nous tombe dessus derrière par la route là. Mmh. Ok, on arrive sur vous, bougez pas. Bah tu sais quoi, on fait il y en a qui check la route et l'autre qui check la tour hein. À la tour, on n'a pas grand-chose. Hein. Ouais, bravo, bravo, tu as la patrouille qui est sur la gauche, qui fait gauche-droite là, qui revient vers l'antenne. Ouais, surveille, puisque t'as l'arme la plus courte, surveille à gauche. Ok. Et je vais garder le quart droit. Je me décale juste un peu à gauche derrière un buisson, Wolf. Attends que tu restes à portée User de voix, disconnected c'est from new bon. channel. En fait, ils sont à l'affût là. Là, tu vois, ils se couchent, ils se lèvent et ils ont l'arme braquée, donc faites gaffe quoi. Wolf, t'as un visu sur les mecs dans la maison ou pas?
Non, je vois que le... Ouais, ça serait bien qu'il y ait un mec en plus, les gars. Parce qu'imagine après Bah ouais, l'explosion. parce qu'on est que 3 là. Si on tombe là-bas. Ça se peut, enfin je sais pas comment elle a configuré, mais si après l'explosion ils peuvent très bien s'armer, non? Tu sais pas? Une idée. C'est dans ce qu'on fait, on traverse. Toi, tu checkes toujours la route sous le buisson et moi, je me mets sous l'autre, hein, c'est pareil. Devant les buissons là, les sapins. Les mecs qui sont avec moi, Sapin. prenez appui sur les moutons. Ok, on fait ça. Ok, Snake, on commence notre contournement par la droite. Bien, bien pris. Je les vois à peine mieux. Hein. Moi, je les vois bien de là où je suis. Au pire, check la route et moi je te dirai si jamais ça bouge. Ok. Le nombre de moutons là? T'as vu? Ok, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. J'ai repéré 5. J'ai repéré 5 PAX armés. Ouais, reçu. Bon, pour l'instant, ça a l'air safe de notre côté. On va repiquer sur l'antenne. Ok, bien pris. Ok, pour mon équipe, on bascule en ligne. Attends, arrête, arrête, on va se mettre en ligne. Sneku, 150 mètres de l'objectif, à mon top, tu ouvres le feu. Ok, bien pris. Les gars, vous avez entendu? Au top des villes, on ouvre le feu. Préparez-vous, prenez les ennemis en joue. Tirer? Qui a tiré? Non, ils vont tirer, non? Gardez votre silencieux, les gars. J'ai cru, non, mais là, j'ai cru entendre un silencieux. Ah, j'ai pas entendu, moi. Putain, qu'est-ce que tu me fais? Ok, Snake en avant, tu peux prendre la partie. On a ouvert le feu, on a déjà ouvert le feu. N'empêche que c'est un bon coup à faire, ça. De quoi? 2-3 civils comme ça. Venez un peu sur la. Et dès que l'objectif est accompli ou quoi, tu leur files des armes et tu les débloques. Ouais, parce que là par exemple, si tu leur donnes des armes, ils les prennent par derrière. Enfin, nous on est là, mais. Bonne idée ça. Ok, bravo, faites un bond sur les petits murets en pierre là, allez go. Attention, Alpha, on arrive au niveau de l'antenne. Attention, on arrive au niveau de l'antenne. Ne vous tirez pas dessus. Wolf, je reprends un peu de hauteur derrière, là où on était. Bravo, faites gaffe, il y a Alpha au niveau d'antenne. Faites gaffe. Ouais. Parce que j'ai pas beaucoup de vue sur la route. Je suis sur la gauche au niveau des murets en pierre. Ok, bien pris. Ok, attention, on est obligé de contourner, il n'y a pas d'entrée, donc on est bloqué par le barbe. Ok, bien pris. Wolf, tu m'entends? Wolf? Ouais. Il y a deux civils qui se rapprochent de l'antenne. Ouais, c'est ce que je regardais là. Snack pour info, là il y a deux civils qui se dirigent vers l'antenne, je sais pas si ils sont dangereux ou quoi, méfiez-vous. Et lui, t'as entendu? Ah, je suis au contact, je suis au contact. Là, ils sont dans la forêt, je les ai pu reviser. Bravo, on monte sur l'antenne, la tour. Faites gaffe, des civils, faites gaffe, il y a des civils, les gars. Tirez pas sur les civils.
Allez, Snake, Snake, sur le haut de l'antenne à traiter, y'a un mec qui est posté, déglinguez-le. Traité. Ah, il nous faut du médic au niveau du bas du pied de l'antenne, on peut pas tirer, on est trop à la verticale. Ok, j'arrive. Ok, bravo, on est sur les pieds de l'antenne. Ouais, Wolf. Parce que nous on est tous au tas là. Y'a un pick-up qui arrive sur eux. Snake, pour info, il y a un pick-up qui arrive sur vous, un pick-up. Il arrive alors ouest. Il y a un Pax qui est sur la route et qui est couché d'ailleurs. Il est par l'ouest. J'ai reçu par l'ouest, pick-up par l'ouest avec de l'infanterie pour web. Tiens, Wolf, il y a un mec sur la droite là, tu le vois là? Sur la route cap 203, il est. Ah merde, c'est couché. À 430 mètres, il se relève là. Cap de quelle route? Cap 200. Ok, visuel, je vais devoir courir. Il est position 400 mètres. 400 mètres, ouais. Ok, il est derrière l'arbre. Ils ont bien pris pour le pick-up ou... J'ai pas de confirmation. Tu le vois le gars, Wolf? Attends, j'ai l'herbe devant, là. Il est tombé, non? Tu confirmes? Ouais, attends, il me semble, ouais. Ouais, tombé. Moi, je reprends un peu de hauteur derrière. Redis-leur pour le pick-up, parce que... Snake, tu confirmes pour le pick-up à l'ouest? Pick-up à l'ouest, les gars, apparemment. Il y a la roue qui me signale ça. Et j'ai pris un personnel au niveau de la route, hein. Mais chez vous, il y a sûrement de l'infanterie. À l'ouest par rapport à la montagne, Wolf, c'est ça? À la radio? Oui, à l'ouest, correct. Bien pris. Ça y est, on est... Là, ça y est, ils l'ont pris. Ils sont dessus, là. Allez, il faut dégager, les gars. Wolf, tu peux pas traiter le pick-up? Tu peux pas le traiter? Négatif. On l'a plus en visu. Ouais, les gars, il faut dégager, on a placé les charges. Il faut tous vous mettre un point de repère sur la zone d'extraction et on va faire péter les mines. C'était quoi ça, Wolf? Allez, mon équipe, on va dégager par la gauche, là, par là où on est venu, nous. C'était quoi l'explosion? Bon bah bravo, nous, on redescend sur notre point de départ, hein, sur les petits rochers. Voilà. On va partir quasiment plein nord, tu vois, et on va essayer de monter le point côté 269. Ouais, ok. Traverse la route et on y va, quoi, ouais. Ok, bravo, allez, on redescend sur la maison. Façon, donc c'est du cap sur ouais, bravo, 40. Je suis derrière toi. Mm-hmm. Même 30, cap 30. Ok, on bon. Ok. Et cap 30 en avant. Ok. Quelqu'un a vu Xunga, là? Xunga est encore au sol. Sneku, t'as vu Xunga, non? Xunga est au sol? Ouais, je crois que tu l'as pas traité à lui. Ouais, mais les gars, faut le dire, ça, tu sais, je peux pas le deviner, hein, qu'il y a un mec au sol. Hein. Bah, t'es gentil, ouais, mais moi j'ai vu, on vient de le voir maintenant là. Ah, ouais, non, mais c'est pas bon ça, les gars, tu sais, quand. Enfin, bref, c'est pas grave. Okay, il est resté à l'antenne. Attends deux secondes, je vais juste leur dire. Bah, sûrement, je sais pas où il est. Bon, là, on part sur l'extraction cap 20 à partir du croisement qui est à votre nord là. Reculez l'antenne, reculez! Recule, non, va pas à l'antenne, ça va péter, recule! Y'a Xunga là-bas! Ça va péter! Ok. Bon, l'antenne elle pète quand concrètement? Bah quand Xunga sera soigné. C'est nous qui la déclenchons.
Ah, mais putain, mais parce qu'il a mis un compte à rebours, il a mis 35 secondes, 25 bah, secondes et tout. 35 secondes pour le soigner. Ah, merde, putain. Là, il est mort, là. Perdu un soldat. Ouais. C'est bah, allez, fait péter, hein. On fait péter ? Ouais, fait péter, fait péter. C'est quoi cette ligne ? Ouais, il est pas celle-là. Le Snake, je t'écoute, Wool. Ouais, à partir des maisons là qui sont à votre nord, on part vers le point d'extraction. Waouh! Tu peux répéter, attends, tu peux répéter, ça a pété. À partir des maisons qui sont à votre nord là. Ouais. On part cap 20 en direction du point d'extraction. Ok, bien pris. Au pire, ouais, bah, allez-y, ouais, allez-y. Comme ça, nous on suivra juste derrière. Ils ont peut-être le pick-up à leur cul, mais. Et puis toi qui pas du monde sur la route qui sera à notre droite. Mmh. Eh les gars, concrètement, Xunga, on le revive ou pas là? Non? Allo, allo? Ouais, je sais pas où il est Xunga moi. Bah, il est vers l'antenne Xunga, faut aller revive. Parce que c'est trop tard. Bien. Je crois aussi. Hein. Putain, et un bus avec certains qui sont tachés au pied, j'ai cru que c'était des mecs. Ah, premier lapin de la journée. On est à quel niveau là? Donc on vient de traverser le premier découvert là. Ok, je vois la visio, ouais, ok. Ouais, c'est bon. Normalement on aurait une petite route sur la gauche, hein, un peu plus bas à gauche. Exact, ouais. Au point haut là, 269. Voilà, correct. Mm. Ouais, sur notre gauche là. C'est clair qu'Arma 2 ça n'a rien à voir avec Arma 3, là tu vois le soleil passer à travers le feuillage. Ouais, c'est joli. Hein. Rien à voir. Déjà que dans Arma 2 c'était pas trop mal, mais dans le 3 ça... Snake, t'es où? Je suis au niveau d'antenne. Ok, donc on vous avez son corps, quoi. Droite du point côté là, t'as vu? Ouais, et on voit là, la route un peu là. Enfin, elle est derrière. Tu veux qu'on aille jeter un petit œil? Toi là, arrête-toi là, t'inquiète. Bouge pas, donc on est juste là. On est au point 269, quoi. Voilà, on va continuer. Tu veux qu'on check la route juste pour voir si jamais passe par là, s'il y a du monde? Quoi, c'est un bâtiment qui est au bout? On va au bâtiment et on va voir. Ok. Bâtiment? Ouais, une petite baraque là. Ouais. Alors, t'es où? Putain, et je te perds, c'est... Je me suis juste décalé un petit peu. Ouais, pas là. Ouais. Je suis parti, Wolf. Hein. Ah, ils sont prêts à partir. Ils sont en train de se faire. J'entends rien à la radio. Non, j'entends les coups de feu. Explosion. Bon, ça a l'air d'être safe ici. Hein. Ah. Vous l'avez vu à Xunga? Il y a des calots 40. Hein. Tu es Wolf? Ah, ok. Ok, allez, Alpha en avant. On va être en lisière. Hein. Mm. En lisière au 40. En fait, ici, quoi, pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'ils ont traité le pick-up. Donc le point d'extraction, il est juste devant. Ok. On décale à gauche, à la droite, pardon. Ok. Ou à gauche, on aura peut-être. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va devoir traverser tout ça. Surprise finale.
c'est qu'il y aurait un poil plus de monde à la fin. Ouais. Un peu plus de renfort ou... Alors, petite barrière, pour l'extraction, il est juste en face. Hein. Ouais. Cette barrière, donc voilà, on peut s'arrêter là. Arrête-toi là. Toi dans un buisson et on s'arrête. Tu t'es trop bien caché, quoi. Snack de la recours. Ça doit être Bagdad là-bas. De Snack, je t'écoute. Ouais, on est arrivé à une petite centaine de mètres au sud du point d'extraction là, de la carrière. Ça paraît safe. Ok, bah attendez-nous hein, et on arrive. On est juste derrière vous. Ouais, vous pouvez y aller, vous pouvez tracer. Si t'as pris dans ton sac à dos invisible, bien caché sous ta guilie. Pousse médicale, mais t'es pas médecin, tu peux pas soigner avec ça. Je peux te prodiguer les soins, non? Quand même. Ah, toi, normalement, tu peux faire que les premiers secours. Hein. Ah la ouais trousse médicale, c'est que pour l'infirmier. Alpha, 400 mètres du point. On a perdu Xunga, c'est officiel. Ils vont nous passer devant Wolf. Attends. On dit rien, ouais. User in your channel timed out. Je me mets en faible. Ah, en faible. Ah, en faible. Il est encore un petit peu histoire de moins dépasser. Je vois même plus. Qui fait feu 50 mètres du point clair en face de nous. De toute façon, on y va direct. Hein. Ouais, Alpha 100 mètres du point. Les trois packs sont passés à notre droite, Wolf. User joined your channel. Ah, je les ai vus. Il est bien pris, on est derrière. On est à 180 mètres. Et Alpha arrivé sur le point d'extraction. Ne faites pas après les gars, on va aller sur... Oh. Okay. Ok, on a gagné, on a gagné. C'est fait. Ah, léger, hein. C'est vraiment sympa, là. Pas mal. Eh bien, cette petite carte. Merci, Xunga. Isker. Elle est vraiment bien, c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, vraiment génial. Mais la mission était bien aussi. Hein. Ça vous a plu? Ouais, ouais, ah ouais, elle est bah, les trois que t'as fait, moi je. Voilà, je valide. Ah, t'es bon, t'as trouvé ta vocation, bien sûr. On va te garder en fin de course. Putain, mais les gars, non, mais sérieusement, en fait, là, parce que là, du coup, tu sais, j'étais pas content, tu vois. Bon, on a rigolé que Xunga soit mort, mais concrètement, c'est pas sérieux, quoi. Non, mais c'est pas sérieux, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le combat, on sait pas ouais qui est tombé. Non! C'est pas ça, mais mec, le rôle du chef d'équipe. Non, mais pour le chef d'équipe, mec, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais avec l'équipe 8 et je suis parti en renfort de l'équipe. Ouais. Alpha, ouais, au début. On Evil, était, et du coup, ouais, ils ont moins fait attention, tu vois. Ouais, mais bon, c'est. Ok.
Et par contre, la carte, elle est bien, hein, putain. Ah, elle est top, la carte, c'est ouf, quoi. Par contre, je sais pas si les autres sont mieux, mais... Mais ouais, elle est vraiment bien, quoi. Bah, maintenant que tout le monde a le pack, il faut faire que des missions là-dessus, hein. Bah, ouais. Ouais. Par contre, on va pas s'amuser à mettre ce pack à jour tous les jours, hein. Enfin, moi, ça me dérange pas, hein, je peux le mettre à jour tous les jours, mais... je pense qu'il y en a certains qui vont criser, quoi. Donc, Mais sinon, ouais, elle est bien, ouais. Elle est vraiment bien. Un petit peu plus de patrouille, Iskur, et c'est bon. Ouais, dans la forêt, ça aurait été sympa. Ouais, j'y avais pensé, mais finalement, j'en ai pas mis une. Ah, il faut pas en mettre trop non plus, parce qu'après... Non, mais une petite patrouille, ça aurait... Ouais. Une, deux, trois. Non, bah, disons que t'aurais dû mettre un objectif intermédiaire entre les deux, tu vois. Parce que c'était un peu trop long. Ouais. Mais ouais. Non, non, sinon, ouais, j'avoue, ça nous a fait un petit coup de randonnée, là. Mais sinon, ouais, c'était sympa. C'était bien sympa. Ça, je pensais qu'on allait encore faire la mission, tu sais, genre de nuit, dans la brume, il pleut, le... Ah non, vraiment bagarre. J'allais dire, putain, et... en plus, j'ai gueulé, t'sais, j'ai fait ma langue de pute, et j'ai gueulé sur le chat, et en fait, non, franchement, c'était super. Genre, le lever de soleil et tout, c'était magnifique, quoi. T'avais des paysages, genre, au bout d'un moment, bah, tu sais, quand j'ai parlé à la ville, je t'ai dit, t'as vu l'herbe et tout avec le soleil. Ouais. C'était, wouah, c'était super beau, hein. C'est... Au début, je me pensais sur Crisis, tu vois. Je pensais que c'était sur Crisis. Mais c'est vrai, je me dis, ah non, c'est Arma, putain. Je pensais pas qu'un jour, Arma, j'allais voir ça. Les ombres des gars qui te suivent, que tu vois refléter dans les arbres, ouais, et tout. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pris des screens.